Salut à tous, c'est Zidax. Dans cette vidéo, on va jouer à The Crew 2. Donc, on va tester justement cette moto qui est plutôt sympathique. Donc, c'est une KTM 450 EXC. Donc, elle est vraiment plutôt sympa. Ça fait longtemps que je vous promettais justement une vidéo en moto. Et ben, justement, là, on est avec une moto qui est plutôt sympathique. Donc, c'est une KTM aux couleurs de KTM. J'ai laissé les couleurs qu'il y a tout simplement parce que je trouve ça vraiment super stylé. Elle est vraiment très très belle personnellement. En blanche et orange, j'aime beaucoup la couleur. Donc je vous la montre d'un peu plus près, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est vraiment sympa. Donc franchement, elle est très très bien faite. Et vous allez voir qu'on va principalement dans cette vidéo rouler en vue FPS, en vue cockpit, en vue volant tout simplement. Parce que justement avec les motos, j'aime beaucoup rouler comme ceci. Ça, c'est vraiment un kiff. Et je trouve que la vue comme ça, là, quand vous roulez comme ça, en fait, elle est pas ouf. Je trouve en moto, c'est pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que je vais rouler principalement en vue volant. Voilà. Donc, je vous montre principalement le chemin qu'on va faire. Donc, c'est ce chemin-là. Tout simplement, on va passer un petit peu dans les montagnes, dans la neige, histoire de tester un petit peu cette KTM. Je pense que ça va être un peu long. Mais je sais pas, on verra en tout cas. Puis, c'est parti. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va commencer. Hein. Donc, c'est derrière, je crois. Si je ne m'abuse, en tout cas, vous voyez le bruit qu'elle fait déjà, c'est juste oufissime. Ok, donc je vais juste un peu déplacer le micro histoire que je vois la map en bas. Wow, 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 merci wow. D'avoir accepté mon invite. Attendez, hein, ça me détruit l'oreille en fait. Elle a vraiment un sacré bruit, donc là je vous montre vite fait un petit peu la sensation qu'on a quand on conduit comme ça. Perso, j'aime pas trop, donc je vais plus switcher comme ça. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez peut-être comme ça en moto. Je trouve que c'est plus immersif et plus sympathique en moto en tout cas. Donc dites-moi hein, si ça, peut-être que ça vous donne la gerbe, je sais pas, dites-le moi. Voilà, moi perso je préfère rouler comme ça. Je trouve que ça fait plus réaliste. Et on s'y croirait quoi, tout simplement. Donc là on va vraiment être sur du chemin de terre principalement. Ensuite on ira passer justement sur de la neige principalement. Et ensuite on verra bien entendu où est-ce qu'on en sera. Hein. Donc là en tout cas ça me fait vraiment plaisir. C'est une moto qui coûte vraiment pas très cher. Je crois qu'elle coûte moins de 100 000, hein. Il me semble. Elle est vraiment pas trop trop chère, donc elle est vraiment sympa. Au niveau du bruit, c'est juste super nice. Il y a même des retours de flammes dans le pot. Oula, elle est bison. Hein. Donc ça fait plutôt plaisir. C'est vraiment une moto qui fait du bruit et qui est sympa. Elle est vraiment agréable à conduire. Vraiment, c'est un pur kiff. C'est très rare que je prenne une moto dans le jeu, mais celle-là, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Je me suis dit bon. Ça fait longtemps que vous promettez un épisode justement avec une moto, du coup c'est pour ça que maintenant je vous le fais. Donc ça fait plutôt plaisir. On découvre un petit peu de nouveaux lieux comme à chaque vidéo. Dans le petit i en haut à droite de votre écran, je vous mets l'épisode précédent, c'est avec une Ford Focus plutôt sympathique. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Donc là en tout cas on change vraiment de décor. Hein. C'est vraiment très très sympa. Ok, c'est vraiment très très sympa les décors qu'on a là. On passe dans les montagnes avec un petit peu de neige. Franchement, chaque vidéo j'essaye d'avoir un décor différent, un véhicule différent, histoire que ce soit pas toujours la même chose bien entendu. Et là vraiment on change, hein. On change de véhicule, on change de vue, on change de lieu, qui est vraiment magnifique. Donc franchement, ça fait plutôt plaisir. Et on roule tranquillement, on avance, hein. Franchement c'est sympa. Ok, donc je me concentre un petit peu quand même hein, parce qu'on est dans les montagnes, j'ai pas envie de tout descendre non plus. Et donc dites-moi vraiment hein, si vous préférez que je conduise soit en vue volant comme ça, soit en vue comme ça en fait. Moi perso j'aime pas trop la moto dans cette vue là, mais bon. Après à voir vous comment ça rend au niveau de la vidéo. Hein. Après c'est vraiment sympa, hein. Waouh la vue qu'on a. Magnifique. J'essaye de regarder un petit peu sur la droite sans forcément descendre tout en bas. Parce que c'est vraiment sympa. Ouh, il y a des loups carrément. Je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des loups. Mais vraiment, waouh. Hein. Regardez la vue qu'on a. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Attention. Ok. Donc franchement ça me fait super plaisir de retourner sur The Crew 2 parce que justement c'est un jeu que je kiffe et j'ai un peu lâché en fait un peu
mais que je pense reprendre à fond, histoire de pourquoi pas le terminer et avoir le maximum de sous et avoir le maximum de véhicules, ça peut être sympa. Du coup, dites-moi si vous avez des véhicules que vous aimeriez voir en vidéo. Je pourrais en acheter si vous voulez, si vous avez des véhicules spéciaux. Sachant que j'ai déjà fait quand même quelques vidéos sur The Crew 2. Voilà, essayez de regarder la playlist peut-être sur les véhicules que j'ai déjà fait, histoire de pas me donner le même. Ça peut être bien. Parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos hein, sur la bêta principalement. Et sur le jeu aussi quelques-unes. Donc ça fait plutôt plaisir. Ok, donc là c'est de la descente, c'est encore mieux. Okay. Donc on a bien entendu le boost. Hein. Mais bon, je trouve que ça enlève un petit peu de réalisme. Du coup là on a des routes assez enfin enlacées un petit peu. Donc il va falloir faire gaffe. Ok. En tout cas, c'est vraiment sympa. Le jeu est vraiment très très beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, je ne sais pas. Mais franchement, moi, je suis pas du tout déçu par ce jeu. J'avais beaucoup apprécié The Crew 1. Vous avez fait des vidéos dessus d'ailleurs. Et le 2, il est encore meilleur. Je trouve personnellement, il est un level au-dessus. Donc ça fait plutôt plaisir. Là il reste 6 km à peu près, je sais pas si on arrivera à finir ou pas. On verra, en tout cas tranquillement, on roule. On admire justement les beaux paysages comme on a sur la gauche, là. Ouh, doucement. Voilà, comme là, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est juste magnifique. Waouh. Vraiment, waouh. C'est magnifique, oh, ma belle. Ok. Donc là ça tourne. Wouhou. Ah ouais, ça tourne sec là. Là ça y va. Hein. Ok. Ok, ouais. C'est chaud là. Hein. Et surtout que, je pense que vous l'avez remarqué, mais il fait super chaud en ce moment. C'est waouh. Juste avec la play qui tourne, la play qui chauffe. Vous l'entendez peut-être dans ce possible. Mais waouh. C'est abusé. Ok. Donc là on a quoi là? Oh sympa aussi la boule. Sur la ville. Ça fait plutôt plaisir. Je pense qu'on va se trouver un petit coin, on va s'arrêter tranquillement. Où est-ce qu'on pourrait s'arrêter tranquillement? Alors. Je pense qu'ici c'est pas mal. Mince, pourquoi j'ai ouvert le mode photo? Bon, bref, c'est pas dramatique. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la moto après, voilà, après avoir fait ce petit trajet. J'espère en tout cas, comme dit, que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous remercie d'avoir regardé. Ciao tout le monde.